J'essaie d'utiliser tout le champ des arts plastiques, Ouais. de la figuration jusqu'à l'abstraction, et mettre tout dans une même œuvre. Ah oui. Du travail très à plat, très figuratif, jusqu'à les effets de matière en utilisant tous les matériaux qui sont possibles à placer sur une œuvre. Là, il y a des collages de bois, là, des collages d'isorel, là, des collages de tissus, des effets d'enduit craquelé, des effets de marouflage de papier en relief. Tout ça s'est mis en place avant le travail de peinture. J'arrivais pas à le finir, ce tableau. Ah Et c'est un tableau qui a en fait quelques années. oui. On y retrouve l'hommage à la femme? Toujours. Oui, Donc toujours. Oui. je suis incapable de, si j'ai pas des paysages pour m'exercer, mais le paysage m'inspire pas et la nature morte m'inspire pas vraiment. Là, j'ai des sculptures justement qui parlent de l'être humain. Cette sculpture a pas mal voyagé parce qu'elle est allée sur Paris, sur Toronto. Je crois que je la vendrai jamais parce que c'est une de mes préférées. Ça s'appelle brainstorming. Donc ça représente les deux lobes du cerveau. Oui. Et tout d'un coup, paf, j'ai l'idée. Ah, Le d'accord. jaillissement de l'idée dans le cerveau. Ouais. Les étiquettes, c'est toujours un peu agaçant. Mon héritage vient des nouveaux réalistes, c'est-à-dire toute la période après les années 60, avec César, Armand, tout Ah, ça, tous d'accord. les gens qui ont commencé à utiliser tout ce qui leur tombait sous la main Ouais. pour décrire des idées. Mais dans l'inspiration, on monte plus haut quand même. Très jeune, mes parents m'ont inscrit à la prison Saint-Michel à Rennes, où il y avait Pierre Gilles qui faisait des séances de nu tous les samedis Oui. après-midi. Donc moi j'avais 16-18 ans, j'allais tous Ah les samedis faire des nus. Mais on voit dans les bas-reliefs, exactement, des angelots, etc. Alors, 17, 18e. c'est mon côté aussi décorateur, Voilà, c'est mon d'accord. Qui côté, remonte plus haut, et oui. puis mes études classiques Voilà. aussi. Une connotation avec les décors de théâtre. Tout se mêle en fait dans mon D'accord. travail, tout se mêle. L'adolescence avec des collages et des gentils petits dessins au Et pastel. t'appelles ça période Papa Cool? Oui, mais non, bah, cool parce que c'était les années 68 en Ah fait, hein. Après, j'ai une période beaucoup plus intellectuelle, c'est-à-dire j'ai fait des choses abstraites comme ça. Après, j'ai eu une période un peu à la Magritte, ouais. des sculptures un peu fantastiques et tout Ouais. ça. Je suis revenu à l'abstrait, et là Voilà. c'était par exemple en 76. Ouais. Regarde, celui-là, il est de 73, et c'est New York, USA, bombe dans la 16e rue. Ah oui. Pour mon dossier de prof, je faisais ce genre de peinture. On avait des tableaux à faire en atelier. Ça, c'est ce que je faisais quand j'ai passé mon professorat. Le peintre mondragonais Michel Causse est invité par son homologue Roland Richer à venir exposer dans sa grande demeure bourgeoise. D'une approche pas toujours facile, son art, à la fois brut et raffiné, est un paradoxe. Les connaisseurs apprécient, les autres s'éduquent. Devant une texture mixte et hiéroglyphique située entre tribus lointaines et courants contemporains. Curieux et flattés, de nombreux visiteurs honorent le vernissage. Éternel insatisfait, l'artiste a brûlé ses premières œuvres.
Il montre ce qui succède et s'en explique. Il y a des sculptures, il y a des, une installation. Ouais. Il y a des tableaux sur bois, sur toile, sur papier. C'était l'époque où j'aimais le rouge de Pompéi, voilà. Voilà, c'est un travail qui s'étend sur combien d'années? Cette expo, c'est une rétrospective. Ça remonte à 1986. C'est la première fois que je fais une expo personnelle à Mondragon. Et j'ai voulu que les gens voient ce que j'ai pu faire. J'ai tout brûlé en 86. Tout ce qui était antérieur a disparu. Voilà. Pour cause d'insatisfaction. Exactement, oui, oui. Il n'y a que les sceaux qui sont satisfaits d'eux-mêmes, de toute façon. Ah non, moi je ne le suis jamais, mais là, il m'empêchait de dormir. C'était... À ce point-là. Oui, c'était franchement mauvais. C'était peut-être pas la vie de tout le monde, non? Surtout de ma femme et des enfants, mais bon. Non, eux, ils voyaient que je détruisais mon travail et ça les attristait. Voilà. Quelques années plus tard, entre autres expositions, Michel Cosse est l'invité de l'atelier du 40 à Bolène, créé et géré depuis 4 ans par le couple Michel et Evelyne Sanson. Cette modeste boutique rétro, couleur chocolat, ne sert plus du cacao chaud. On y est un peu à l'étroit, mais reconverti en carrefour des arts contemporains, cette officine atypique recèle des trésors. L'intelligentsia locale s'y rencontre à loisir, au gré d'expositions successives, pour apprécier les courants artistiques en tout genre. C'est donc au tour de Michel Cosse de tenir le haut du pavé artistique. Est-ce qu'il y a des devanciers qui te branchent quelques noms là au hasard? Ben, Paul Klee, je cite souvent. Rembrandt. Goya. Marquet, il m'a beaucoup touché, Marquet. Ah oui, Marquet, oui. Marquet, bord de Seine. Oui, je vois. Sa période aussi d'Afrique du Nord. J'adore certains tableaux qu'ils ont fait. Dufy. Matisse. Oui, Matisse aussi, oui, forcément Matisse, oui, mais pas tout de Matisse, pas tout de Picasso, mais puis on change des fois. Avant j'adorais les hyperréalistes, maintenant non, ça ne m'impressionne pas du tout. Les impressionnistes aussi. On fait des choses formidables, magnifiques. Oui. Les impressionnistes, ils sont indétrônables. Quoi dire d'autre? Les goûts changent suivant les âges, les appréciations changent, et tout change par rapport à des voyages qu'on fait aussi. J'ai voyagé, oui. Quelques pays? Ah, la Grèce. J'étais jusqu'au Cap Nord. L'Égypte, sans doute. L'Égypte, j'ai l'intention d'y aller. Ah oui, oui. Puis un peu l'Afrique, l'Afrique du Nord, et puis la Réunion, l'île Maurice, enfin toute l'Océanie, là, parce que nos enfants habitent là-bas, ils habitent à la Réunion. Mais je ne suis pas un grand voyageur, faut pas exagérer, j'ai voyagé en Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, bon... Et on peut dire que toutes ces œuvres, là, quand même, elles sont destinées à demeurer, celles-là. Là, il en revient. Ah non, je ne vais pas les détruire. Oui, non. C'est ça que tu veux dire? Oui. Non. Non. J'ai déjà donné. Et non, là, celles-là, je les garde. Consciencieusement, je les garde. Voici, d'accord. Non. D'accord. Je ne sais pas à quel sort on m'a le réservé quand je ne serai plus là, mais en ce qui me concerne, je les défendrai, ces tableaux. Celles-là, je les garde. Consciencieusement, je les garde. Rendons d'abord hommage à Muguette, mère de l'artiste, elle-même artiste peintre, dont les compositions figuratives et flamboyantes restent aux antipodes de celles de son fils, qui préfère l'art abstrait. Alain Godérot travaille à Mondragon, sous les toits d'une vieille demeure bourgeoise, au confort relatif. Comme dans la Bohème de Puccini, son atelier est aussi un lieu de rencontre. En autodidacte éclairé,
il affectionne quand même Salvador Dali, Pablo Picasso. Zao Vouki. Il fréquente aussi les peintres Michel Causse et Roland Richer qui résident au village. L'ocre et l'azur débordent de sa palette. L'ocre lui vient de son Maroc natal. L'azur d'un séjour de 2 ans en Polynésie. Des ateliers de ferronnerie à Lyon l'orienteront aussi vers la pratique de la peinture et de la sculpture. J'ai peint pendant 2 mois et demi pour faire ces 8 tableaux-là. Le nom de l'exposition, c'est Entre sable et terre. Ouais. Ça, c'est mes couleurs, si tu veux. Moi qui suis né au Maroc, et que ouais. C'est mes couleurs chaudes qui ressort de mon enfance, sûrement. Ouais. Alors, donc, bon, la peinture, c'est de l'acrylique. Il y a des ocres, il y a aussi des ocres du Luberon. Il n'y a que ce tableau qui existe, il n'y a que ce tableau. Et ce tableau, il est sorti de là-dedans. C'est ça qui est fantastique avec l'abstrait. L'univers est en expansion depuis le Big Bang. Parce qu'il y a eu une explosion au début. Des galaxies, tu vois, bon. Dans notre tête, il faut qu'on soit pareil pour être en accord avec l'univers et notre galaxie. Moi, quand je peins, j'ai l'impression d'être en expansion et d'être dans la création. Tu vois, c'est ça le truc. Et après, ça peut être dans la lecture, dans un tas de choses. Ça peut être dans la sculpture, dans la poterie. Les rencontres se succèdent chez l'artiste. Autour d'un pot amical, Alain Godero explique son parcours aux visiteurs. Voici quelques étapes saisies au vol. Il y a cette exposition en prévision, restaurant Jean-Jacques Prévost à Cavaillon. Il y a la ferme des Arts qui est en prévision à Vaison-la-Romaine. Après, qu'est-ce qu'il y a? Je dois exposer à Ibiza avec une amie qui est peintre et qui a une maison à Ibiza. L'île, ah oui, Ibiza. Baléares. C'est les îles Baléares. C'est surtout les sculptures peintes que je dois mettre là-bas. Mais là, c'est un gros truc parce que où j'y vais en camion ou alors j'y vais en bateau, tu vois. Et comme il y a 500 kilos de sculptures, c'est pas un petit truc, quoi. Après, j'ai exposé dans le hall de Airbus Industrie à Toulouse. J'ai exposé 7 sculptures dans le hall de Airbus Industrie à Toulouse. Passé, ouais. Ouais. J'ai plusieurs... truc cet été, il y a Lys-sur-Sorgue, à la galerie Lys d'Arles. Au niveau de local, l'année prochaine, je vais faire le salon de Bolène, ça c'est sûr. Pas celui qui vient, je me suis pris trop tard. Il y a la fête du Drac, là, voilà. Après, le château d'Alba-la-Romaine aussi, où je dois exposer. J'ai pas mal de prévisions. En 2006, le groupe de peintres, si joliment nommé Nuance, accueille une nouvelle recrue au Salon de Noël. Des arabesques multicolores illuminent les cimaises. C'est la continuité des motifs qui ornaient déjà les marges de mes cahiers d'écolière, explique la jeune exposante. Les tonalités orientales varient à l'infini. Ces spirales fascinantes nous encerclent. L'artiste elle-même en ignore l'origine. Aucun œil avisé ne nous dit où elle mène. Sur une plage mexicaine, Yasmine cherche l'inspiration. Elle se brûle les pieds sur le sable chaud. Elle ralentit gracieusement le pas
en décrivant des courbes. Une œuvre d'art éphémère à ciel ouvert s'inscrit sur le sable. Wow. Oh. Un baigneur inconnu est allongé sur le sable. Il se relève, le dos ensablé. Yasmine ose l'inconcevable, imprimer ses arabesques sur un support vivant. Waouh! Oh. Ces exploits artistiques ont fait partie d'une exposition à l'Office de tourisme de Bologne. L'originalité des œuvres a captivé un large public. Les classes d'art plastique de la ville ont particulièrement apprécié ces tableaux ludiques qui séduisent l'œil et invitent au jeu des devinettes. Où nous conduit ce kaléidoscope ? Yasmine Chetou fréquente d'autres artistes régionaux tels que Roland Richer, Michel Causse, Alain Godero. Elle paraît auprès d'eux au Salon de Noël de Bologne. Elle adhère au clan Art et Culture Méditerranée et expose dans le Grand Midi. Une exposition ambulante, concoctée par Élan d'Art, véhicule même ses œuvres dans le tramway de Montpellier. Pas de titre ni de sens vertical ou horizontal pour ce graphisme ornemental. Il peut même n'avoir ni endroit ni envers. Il couvre alors un support transparent. L'expérience a ravi les enfants lors d'une animation artistique à l'école Jean Moulin. Ces grimoires multicolores déplacent beaucoup de monde. Ce sont des chemins de vie pour ceux qui stoppent la marche du temps quand commence le dessin. Les enfants se prêtent facilement au jeu. Les adultes picorent des yeux autour du buffet. C'est une œuvre mouvante, sans commencement ni fin. Elle ne mène nulle part, mais comme l'air ou la lumière, elle remplit joliment le vide infini.